Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du live pour le Not So Berry. Je vous avais demandé la semaine dernière de voter pour savoir si on allait déménager maintenant avec l'héritière qui est donc Lila de la génération Prune. Est-ce qu'on déménage avec elle dans un petit appartement puisque dans son mode de vie, voilà, dans sa vie, il faudra qu'elle déménage trois fois. Vit dans trois endroits différents, donc elle peut partir maintenant en tant qu'ado, c'est pas grave, elle a un travail, et puis on lui donnera un peu de sous, puis elle déménagera une fois qu'elle sera en couple, puis après. Ou pas! Donc on va voir tout de suite eh bien, les résultats de ce vote. Moi je n'ai pas voté. Les retardataires dans le chat ont voté. C'est parti. Eh ben oui, je m'en doutais, je savais qu'on allait déménager aujourd'hui. Donc bah, c'est parti, on va déménager, hein, les enfants, c'est comme ça. Voilà, nous sommes dans la partie, mon petit Zizi, le Not So Berry. C'est parti. Quand un magicien lit un livre de magie. Je ne sais pas. Voilà! Eh bien écoutez, on va reprendre la petite routine Not So Berrytale. Ils sont tous debout, mais ils vont tous se coucher. Voilà, est-ce que j'ai installé des nouveaux foyers? Par contre, lui, tu dois pisser, mon coco. Va, 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 oui! Oh là là! Oh là, il va se faire dessus. Il y en a une qui râle, qui s'est couchée, c'est notre Lila. Donc, on va déménager avec cette demoiselle. On va prendre une partie du budget familial, faut pas déconner. Et puis, ben, les filles qui sont là. Non. Non. Tu vas pas, non. Tu vas pas boire du lait à 2 h du matin ou j'en sais rien, tu fais. Non. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle dort aussi. Allez hop. Tout le monde au lit là. C'est la nuit. Alors. Et puis bon, qu'est-ce que je voulais dire? Je vais peut-être laisser nos chères filles se débrouiller toutes seules dans leur vie, se mettre en couple avec qui elles veulent. Et nous, on essaiera de chasser le mal qu'on pourra chasser, puisqu'on ne connaît pas des masses là pour l'instant. Bon, comme elle va encore à l'école, c'est intéressant parce qu'elle va faire connaissance avec plein de gens. Et puis, ben, on fera avec, hein. Ah, je suis mis en vitesse 3, je captais plus. Vous êtes mignon. Coucou YouTube! Donc nous sommes lundi. Je vais la laisser aller en cours et puis on déménagera. Voilà, comme ça c'est fait. Par contre, on va instimper une refonte d'appartement. Ça va être bien. Qu'est-ce que tu veux toi? Bah, va manger. Ils ont quoi? Ils sont déjà. Ils me saoulent déjà ou comment ça se passe? Ah, ça va me faire du bien de les quitter, hein. Ils sont tous beaux, ils sont tous mignons, hein, mais. Voilà. C'est bien de se concentrer sur Lila, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec elle, dans son aspiration, enfin dans tout, quoi, dans tout. Donc, va falloir faire tout ça, quoi. Beaucoup de boulot. Donc, on va y arriver poil au nez. Puis c'est bien, on aura vécu. On est arrivé ici avec Pulco. Pulco et nuages, et puis voilà, on s'en va, ça me semble bien, c'est une bonne dynamique. Deux générations par maison, c'est pas mal. Sachant que pour Lila, il faudra déménager 2 autres fois, hein, donc. Bon, je me concentre sur elle parce que les autres, je m'en fous. C'est pas vrai. Oh là là, ce look! Oh la beauté! Oh la beauté! Alors attends, on va te prendre à manger. Sinon ça va être la foire. Oh bah y'a plus rien à bouffer. Oh super. Là il nous avait cramé ici. Ok. Écoute, viens. Si là, tiens, viens prendre une portion. Toi t'as un poivron. Ah oui! T'as encore ton poivron magique quand t'étais bambine? La vache. C'est fort les poivrons, hein. C'est magique. Il y avait eu un feu. C'est bah oui, le feu de ça. Évidemment. Donc là, en plus, on a atteint les 80 000 simflouzes au niveau de la fortune familiale. Donc, pas mal. On va pouvoir prendre un bon petit pactole et puis s'en aller avec. Hein. Oh, tu m'as mis une jolie robe. Ah, attendez, non, faut que je sois sur Lila. Tu peux réparer? Allez, mange. Ne parle pas, mange. On n'a pas le temps de parler. Eh, c'est bien, va réparer.
Je lui fais réparer parce qu'il faut qu'elle ait beaucoup de compétences. Hein, à un assez haut niveau, donc tant qu'à faire, dès qu'il y a quelque chose de cassé, ben, elle le répare, quoi. Salut, Diglas. Salut, Céline, comment tu vas? Le poivron des anciens cuisiniers de Toppy Sims. Je ne sais... Alors là, je ne sais pas. Prendre le bon petit pactole. Bah oui! Quand même! Allez, tu vas te faire des amis, tu vas te faire des amis, tu vas te faire des amis. J'ai cliqué? Non, j'ai pas cliqué. Je me disais bien aussi. Et elle, elle dort. Adonis! T'es bien beau? Tu vas servir le petit-déj? Allez! Et tu vas préparer un grand repas aussi, avec du jambon, tiens. Comme ça, y aura de la bouffe. En plus, c'était limite pourri. C'est vraiment super. Il n'y a pas de bouffe dans cette maison. Nunu! La queen! La queen grise! Ah, on a tout fini ses objectifs avec elle. C'est super. Moi, je suis contente. Et elle est encore toute fraîche. Regardez-moi ce mini cul. Elle est magnifique. Juste une référence à Skyrim qui est normalement le parchemin des anciens. Alors là, je ne connais absolument pas Skyrim, donc je ne peux pas te dire. Voilà, il a fait à bouffer, comme ça Nunu, elle pourra se servir. Viens Nunu, viens manger. Nuage, j'ai reçu une amende. Ils font chier avec leurs amendes, c'est vrai que j'ai oublié les amendes à cause de l'eau, quoi. Et pourtant, on a deux trucs, hein. Mais ça ne suffit pas. On a deux récepteurs d'eau, là. Ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. On a toujours les amendes. Bah, tant pis, écoutez, moi, je vais pas me casser les nénettes, hein, comme on dit. Comme on dit par chez moi, je me casse pas la nénette. Voilà, c'est vrai. C'est ma mère qui disait ça. Nuage, c'est un peu notre Beyoncé de Twitch. Ah, bon, ah oui, parce qu'elle chante, c'est vrai. J'allais dire, ah bon, pourquoi? Comme ça. Ah, bah toi tu vas aller bosser. Je suis sûre qu'elle bosse pas. Putain, je m'en doutais. Je m'en doutais, Nunu, que tu travaillais pas. J'avais cette intuition. C'est qui, Prune? Oh, on s'en fout. Allez. Ah, rien à secouer si c'est Prune. Lila. Ah, alors Lila, est-ce qu'on augmente sa responsabilité, sa résolution de conflit ou son empathie? Allez, résolution de conflit, c'est pas grave. Elle est médiatrice, mais elle a perdu le trait de responsable, mais c'est pas grave, on fait les devoirs et ça passe crème. Arrête de parler, cuisine toi, tu dois aller voir, tu dois aller bosser après. C'est la dernière fois que je m'occupe de vous, hein. Prune a rencontré Christian. Tu t'es pas obligé. Qu'est-ce qu'elle a? Aïe, répare quelque chose, d'accord. Super. Projet scolaire. Ouais, difficile. Bon, perte de performance, on s'en fiche. Merde. Fais-toi des amis, c'est bien. Alors, la semaine dernière, à écouter leur musique, là, ils m'ont fait... ils m'ont foutu un strike sur... sur la musique, je pouvais pas la monétiser la semaine dernière. Parce que la musique des Sims, c'était... protégée. Voilà. Merci les Sims. Hier, je suis partie parce que j'avais rendez-vous avec un commercial à 20h. Il est resté jusqu'à... Ah oui, carrément. Ah, c'est long quand même, sacré rendez-vous. Hein. C'est abusé. Hein. 22h30, c'est pas des horaires, ça. Niveau 8 de la cuisine, il est trop fort. T'es trop fort, Adonis. Eh, mais t'es trop fort et t'as pris du bidou, hein. Allez, va bien travailler. Attendant qu'on essaie, on attend que Lila rentre. Lila, 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 Lila. Lila, Lila. Oh, Lila, Lila. Oh. Non, c'est pas une chanson qui ressemble à ça. Ça, il y a de la bouse dans le frigo. Bon bah on va suivre Nunu, hein. Nunu accro au sport. Les factures. 517, 300 de terrain, électricité, moins 211, eau, moins 6. Mais ça va, ils nous foutent des amendes parce qu'on utilise de l'eau, on est juste à 6 quoi. Faut arrêter, ça va, hein. Ils sont abusés. Salut Camille, comment tu vas?
Musique de Mika, oui c'est ça, mais je connais, je suis pas très forte en Mika donc. Oh non. Non. Je ne veux pas. Vous ne mangez pas. Vous ne buvez pas de jus d'orange, de lait et de toutes ces conneries. Je suis en accéléré parce que la vie de nuage ne m'intéresse plus désormais. Par contre, Prune, elle rencontre des mecs, hein. Oh, un roux. En même temps, je crois que la génération d'après est, est orange. Est orange, non. Je vais regarder, j'ai pas pris les règles. Hein. Je crois que c'est la géné orange après. Passe de violet à orange. C'est pas ma couleur préf. Hein. Ouais, c'est ça. Lila est rentrée avec un projet scolaire. Allez. No way. Non, on s'en fout. Voilà. Lila. 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 Petite Lila Chouquette. Eh ben, Lila, on va partir. Tout simplement. On va déménager. Déménager le foyer. Ouais, elle est désespérée, la pauvre. Quoi, ma soeur jumelle s'en va, s'en va. Ah tiens, Mini. La squatteuse. On va déménager. On va séparer. Voilà. Créer un nouveau foyer. Lila. Voilà. On va lui donner combien? Combien on donne de ce budget à notre petite Lila? Un peu plus que 20 000, hein, parce que sinon, c'est pas juste, quoi. J'ai passé une super journée, j'ai vu une copine que j'avais pas vue depuis des années, et ensuite j'ai... Ah mais c'est super! Je suis contente. Oui bien sûr Céline, 300 000! On a que 80 000, hein. Ça va pas être possible. 30 000? Si vous êtes plus sur du 30 000. Schling! Allez! Oh regardez la belle gosse! Je les enlève comme ça, ils pourront faire leur vie en fait. C'est ça qui est beau. Ah! Alors où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on prend celui-là? On prend lui. Quartier dans de la mode. Il a 300. Lui, il a. Non, c'est pas celui-là. C'est lui, il a 400. Caution 800 quand même. Et celui-là, il est 400-500. Quartier des épices, c'est super. Dommage que c'est pas la Vende. Oh. Mais elle a perdu la Vende, hein. Je suis désolée, elle a perdu aux échecs. Les quartiers des arts? Putain. Alors, quartier de la mode. Celui-là, qui est tout en longueur. Quartier des épices. Putain, je me trompe à chaque fois. Le petit ici. Vous mangez que quoi ce soir? Le petit ici. Ou le petit ici au quartier des arts. On est parti sur le quartier des arts. Parce que le quartier chic. Ils sont trop gros en plus. Bah parce qu'elle est toute seule, Lou, c'est pour ça. Elle est toute seule, elle est adolescente, donc elle peut pas avoir un vrai travail au niveau des revenus. Faudra qu'on, tu vois, qu'on serre un peu les fesses. Ouais, c'est parti pour Quartier des Arts. En plus, celui-là, il est... Oh, non meublé. Oh là là. Bah, go party. Allez. On va se faire un petit moment rénovation que je pense que je mettrai en accéléré pour la rediff parce que ça va pas être intéressant pour eux. L'empreinte écologique de votre quartier est neutre et n'oubliez pas de payer votre loyer à temps. Qui c'est ça? Ouais. Alors ça c'est notre appartement? Mon dieu. Alors j'ai pas eu des millions d'appart, hein, mais... Ça, ah bah... Super ça... Ah bah... Oh! Les trucs qu'on peut pas enlever ça. Allez, ça me fait plaisir. J'ai oublié de prendre... C'est pas grave, je les prendrai avec les photos des héritiers. Je retournerai dans la maison, c'est pas perdu. Bah... Si je supprime comme ça... Ah ouais, bah voilà.
Voilà, nous avons un petit carré vide. Ça va être parti pour faire de la rénovation.
Eh ben voilà! Je dis que c'est pas mal. Visitons le nouvel appartement. Pour qui tu le fais? Pour les Lila, l'héritière du Notre Sauberry. Qui vient qui emménage là, donc voilà. C'est petit. Mais il y a tout ce qu'il faut. Pourra se détendre, écouter de la musique. Oula! Oh! Bah oui! Et puis recevoir, dormir, machin. Bon, il y a la fenêtre qui déconne, mais ça, c'est pas, j'y suis pour rien. Il y a quand même un peu de place, hein, j'ai envie de dire. Il y a de la place pour accueillir quelqu'un. Et la salle d'eau, petite, mais fonctionnelle. Le truc que je mets jamais, c'est la chaise des bambins. Ah non, mais moi non plus. C'est insupportable. Oula. Et ben voilà! Lila a son appartement. Lila! Tu peux venir découvrir ta maison. Ah! Ah! Je crois qu'elle aime. Allez! Bon, par contre, on en parle que la fenêtre, elle reste toujours Ah, c'est bon. C'est bon! Alors, Cocotte, tu as un peu faim. Super, tu vas te faire... Non, alors, je sais plus. Si, tu vas servir le déjeuner, des sandwichs BLT, c'est super. On va te faire un bon level en cuisine. Donc, tu vas commencer à faire ta cuisine. Au moins, c'est fait. Ouais, si, dans la bibliothèque, c'est mis avec... c'est bon, j'ai tout. Salut chat, comment tu vas? Non, elle n'avait pas fini la maison. On n'a pas eu le temps de finir la maison. On va la finir après ici, après le Notre Sauberry. C'est mignon tout plein. Oh, c'est gentil, vous êtes mignon. Voilà, elle écoute de la musique. Et il y a même en fait les bouquins là-dedans. En fait, c'est... Je sais que j'ai mis une bibliothèque là, mais il y a tout hein, dans ce truc-là. T'écoutes quoi comme musique? Alternative? Ouais, après je vais me faire strike quoi. Et ils vont dire YouTube avait dire, dis donc, t'as utilisé de la musique copyrightée toi? C'est vrai en plus. Tu peux pas encore améliorer. Mais bon. Ah là 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 là. Donc. Ah oui, elle avait un petit projet scolaire à faire. Bah oui, elle est adolescente hein. Donc elle va le faire. Voilà. Parce que demain, elle colle. Truc horrible. La meuf, elle a 15-16 ans et déjà son appart, quoi. Tout va bien. Salut Popo, comment tu vas? Bonjour, ça sent bon chez vous? Qu'est-ce que c'est? Je peux goûter? Je suis d'excellente compagnie. Bah non. Tu rêves? Et ça, c'est qui? Elodie Morel. Elle est surmaquillée, Elodie. Hein. Tu lui bouffes ton truc, là? Le défi farceur contre blagueur a commencé. Buvez un thé sombre ou un thé clair pour rejoindre l'un des camps. Vous avez pas envie qu'on vous dérange? Bah non, en fait, tu vois, c'est... Mais what? Mais d'où tu rentres chez nous? Déjà, ça, je vais mettre le paramètre... ordinateur, verrouillé pour... tout le monde sauf Lila, voilà quand ça c'est fait. Qu'est-ce qu'elle vient faire elle? Dégage. Dégage. T'as rien à foutre là. Non mais elle était en train de faire comme si elle allait voler un truc là. Non 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 non. Oh Miss Noémie. Merci beaucoup pour ton resub. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Merci beaucoup, Smiley Boule à toi. T'es adorable. Et bonsoir à toi et bienvenue. Comment ça, mal? Quoi? Ah, t'as un beau mal pour elle? Ah, mais tu peux, hein. Je vais les ajouter. Vous le partagez sur la galerie avec notre So Shirley. Moi, je partage, enfin j'installe chez moi hein, dans ma partie, enfin là où je peux, hein, parce que bon, des fois il y a des foyers. Au pire, je les mets les uns avec les autres. Alors, on va voir ce qu'il y a de beau.
Non mais comment ça s'appelle? Mon PC, il a du mal là. Ok, bon toi, c'est mort, je vais même pas regarder à quoi tu ressembles. Ça, c'est le l'ex de leur mère. Ici, il y a de la belle nana. Tiens, il y a Bess qui est là. Mais bon. Mais ça rame! Et mon PC, il supporte plus de jouer. Hein. Qui c'est qui est là? C'est Nunu! Eh, tu la laisses 5 minutes, elle se barre déjà faire la folle. Hein. Ah là là, ça rame! Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à bouffer. Par contre, faut que tu t'avances à faire ton truc, hein, cocotte. J'irai sur les Sims que demain pour... Mais pas de soucis! Je l'installerai la semaine prochaine. Dans ce cas-là, fais-le moi, jeune adulte, déjà. Celle-là, elle est encore ado, mais... Elle va vieillir... Attendez, je sais plus. Elle vieillit dans 5 jours. Et elle deviendra adulte dans 5 jours. Bon, tu bosses ou quoi là? Oui, ça rame. Guten Abend, Dame Shirley 3. Coucou Linette, comment tu vas? Oui, ça rame, ouais, mais j'avais pas eu ça depuis un moment, quoi. Bah, j'attends que le PC soit disponible pour que je l'achète, hein, mais il l'est toujours pas. Je peux rien. Quel hashtag? Not so Shirley. Comme Not so Berry, mais à la place de Berry, tu mets Shirley. Elle est longue là à faire son truc là. Elle a commencé, il était 17h. Et ça fait déjà 3h qu'elle est dessus. Tu as tout mangé ta mousse chocolat? Bien sûr! J'avais mis deux bols. Après, j'aurais peut-être pas dû mettre dans des bols aussi gros ou manger que la moitié, mais je me suis régalée. J'ai hâte de remanger des pois chiches. C'était super beau. Putain, mais elle est longue là! Mais bouge ton. Niveau 2, la programmation. Mais ouais, mais. Bâcler ton travail. Tu peux pas demander à ta mère de venir? Vu qu'elle est en bas. Alors, elle est où? Où es-tu, Nunu? Là. Maman, viens voir l'appartement! Grâce à toi, j'ai pu me payer des meubles. Ça va, regardez, il nous reste 7000, hein. On a de quoi voir venir, hein. Elle arrive, Nunu? C'est qu'elle va arriver? Oui! Oh, Nunu, la classe! Ouais bah et elle est là pour travailler hein, t'es pas là pour faire des selfies hein cocotte hein. Tu fais ton pain maison. Tu sais faire ton pain? Tu peux me filer la recette? T'as une machine ou pas? Parce que moi j'ai pas de machine et c'est une vraie galère pour trouver des recettes qui... Enfin bon j'ai peur d'essayer parce que j'ai peur de tout foirer du pain maison mais j'adorerais. Ah, c'est des baguettes pré-cuites! Oh, elle nous a fait miroiter. Bon, arrêtez de papoter là! Oh la vache, ça va. Mais combien de temps elle met pour faire ça? Mais c'est pas possible! Galère! Vas-y, éteins, ça me prend la tête. Ouais! Allez, active-le! Super, rien. J'avais fait des baguettes, mais on a un robot pour pétrir. C'est ça. Eh bah, tu peux aller faire un petit pipi. Dire à maman que tu l'aimes. Non, bah, elle se casse. Bon, bah, tant mieux. Ça, elle cassera pas les pieds. Et tu vas lire un bouquin. Alors, tu vas lire. Menace sur la grange.
Je rappelle que c'est pour son aspiration. Il faut qu'elle finisse de lire trois livres. Donc voilà, elle l'a pris là ou elle l'a pris là, on s'en fiche. Bah, tu seras fatiguée, tu iras dormir après. Et c'est là qu'elle meurt. Non! Tu m'as fait peur. Lis ton livre. Bah, t'aurais pu t'asseoir, hein, c'est pas grave, hein, mais. Bon, elle aime bien, hein, regardez, travail appliqué, elle s'est décorée, elle aime bien sa maison. Victoire des farceurs! Je les vois pas. C'est fini le 14 juillet, les gars. Hein. Ah, ils vont pas plus haut. Ah, d'accord, on est tellement haut dans notre immeuble que. Ah, oui, c'est vrai qu'on est à je sais pas quel étage, mais ça va, on est haut quand même. Les feux d'artifice, ils vont plus haut que ça d'habitude. Hein. Non, j'avais regardé pour voir s'il y avait du beau mec, mais bon. Je suis pas sûre qu'il y ait de quoi en bouffer, hein. Eh, c'est pas Quentin, ça? Si, c'est Quentin! Alors, comment tu vas, Quentin? Ah, il a pas de bébé. Il a pas eu d'enfant encore. Il essaye de draguer, mais ça viendra. Nunu qui est là. Voilà, après, hein. Y a pas grand chose de croustillant ce soir à bouffer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle raconte des blagues. Quentin! Quentin, c'est ça. C'était un ex de nuage, ça, ou d'une des filles? Je sais plus laquelle. Mais maison meilleure. Mais t'en fais, toi, Linette, du pain maison? Y a plein de recettes de pain facile sur YouTube. Ça fait... Ouais, je sais, mais. Il y en a des fois, ça me paraît trop compliqué et tout, et puis voilà, faut avoir la motivation quoi. Merci Mel, c'est gentil. Bah, on essaye hein, de faire un truc mignon quand même. Même si, à mon avis, il y aura des quelques soucis et des rats, mais. Le truc est quand même mignon. Bon, on est un petit peu retombé dans le truc du Génération Prune, donc on met du prune. Mais bon, ça passe. Oula, salut numéro. Je vais t'appeler numéro 23. Numéro 23. J'en sais que ma machine à pain. Ah oui, mais avec une machine à pain, c'est vachement plus simple aussi. Hein. Je veux pas être méchante, mais. Yes! Étape terminée! Et bah, tu peux dormir, cocotte. J'espère que tu vas pas mourir. Ce serait dommage. Attendez. Elle va se coucher. Et moi, je vais enregistrer. Hein? C'est pas de ma faute. Non, parce que moi, j'ai jamais eu de Sims qui sont morts. Avec le lit escamotable, mais il faudrait que juste quand je me dis que j'en ai jamais eu, que elle y passe. Ça me ferait un peu chier, je vous tiens à vous le dire. Ce serait quand même un peu plus gênant. Puis c'est-à-dire qu'on n'aurait plus d'héritière, donc. Bon, bah, c'est pas grave, ce sera la vente qui prendra sa place. Mais quand même. Assez plus conciliant au four. Mais à force, je commence à me poser la question si j'achèterais pas un jour un robot, tu vois. Soit pour une machine à pain, soit pour. Ouais, pour pétrir, faire des trucs. Parce que comme je fais de plus en plus moi-même, je me dis que pourquoi pas. Il faudra devenir adulte, atteindre niveau 4 de 4 compétences et atteindre le niveau 3 de n'importe quelle carrière. Ok. C'est vrai, j'ai oublié qu'elle t'a fait normalement. Bah, elle t'a fait pas le lundi, on a eu de la chance. Il commence déjà dans 1 heure? La vache. Va te prendre une douche. Et puis tu manges. C'est ça la vie d'adulte, ma cocotte. Elle n'a pas été mangée par le lit! C'est magnifique! Eh, c'est bon, on va manger. C'est trop vite! 1 heure. Ils ont le temps de rien. Elle vit dans un petit appart, elle met un quart d'heure d'aller à un bout d'un autre quand même. Faut pas déconner. Ce serait bête de faire un game over à cause d'un lit. Oui, c'est ça. La machine à pain peut être très bien toutes sortes de pâtes. Oui, c'est pour ça. Ça peut être. Après, les pâtes que je fais sont pas compliquées. Hein. En même pas 5 minutes, c'est fait quoi. J'ai une recette de pain de mie que je t'avais envoyée sur Insta. Ah! C'est possible. Faudrait que j'aille voir. Bon, allez, vas-y, va, va. T'as 1 heure de retard, Lila.
Ah ouais, hein, mais moi, tu vois, j'ai un appartement, hein, je dois payer les factures. Putain, vous avez vu le temps qu'elle met? Entre le moment où j'ai dit arrête et le moment où elle effectue son... Voilà. C'est très long quand même, hein. D'accord. Tu vas te faire des amis. Je n'ai pas pu atteindre votre boîte aux lettres. Super. Difficile. En plus, il n'y a pas de... Alors, perte de performance. Elle a rencontré Marc. Elle a rencontré Julie. Elle a rencontré Vincent. Ça n'a pas l'air très intéressant. Émilie. Oui. Alors, tu peux rencontrer des filles, hein, c'est possible. On peut faire des bébés avec une fille, mais bon. Et merci Luna pour ton follow et bienvenue à toi. Oh là là. Viens à la maison, mange. L'adolescence. Sans faire attention, j'ai créé un Sims, on dirait Petroni. Oh! C'est parce que ça t'inspire, Petroniette, elle t'inspire, c'est pour ça. Salut Rocky, comment tu vas? Voilà, ça mange. Elle est déjà sale! Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi tu t'énerves là, cocotte? Voilà. Écoute, tu vas me prendre une petite douche? Qu'est-ce qu'on peut faire? Niveau 4 de 4 compétences. Ah ouais, quand même. Je savais pas qu'il y avait ça comme, aspiration. Donc elle est à 3 en logique. 2 cuisine, 2 fitness. Écoute, tu vas t'entraîner au yoga. Tu vas t'entraîner dur. Putain, mais non, elle travaille! T'avais oublié! Qui c'est qui est? C'est les voisins? J'ai pas entendu qui sonnait, moi. Bah, ils ont pas sonné. Oh, bichette. Entraîne-toi au yoga, là. Pour les... Vas-y, arrête de chialer. On n'a pas le temps, Adonis. On a une carrière à mener, nous. Voilà, comme ça lui fait descendre de ouf la tension. Et là, elle doit aller bosser. C'est ça. Et eux, elles ont pas sonné, hein, donc je peux pas leur ouvrir si elles sonnent pas. Oh, des... Un cul. J'ai cliqué, hein. Elle fait pas ce que je demande. Et merci 23 pour ton follow. Bienvenue à toi, du coup. Mais la blague. C'est rassurant, on avait la faucheuse dans l'appart. Salut, Missy Corn. Ouais, bah la voisine est crevée, quoi. Bon, on la connaît pas en plus, hein. Ouh, elle a un look. Rania Jawad. T'as les yeux marrons, toi, je mettrai ma main coupée. Et voilà! J'avais dit. Hé! Hé! C'est pas vrai, elle est pas morte, je l'ai vue debout, regardez, elle est là! Elle est là, la voisine! Ce jeu me fait tellement rire. Il déconne. Regardez-moi ces bugs là. J'ai la voisine qui clignote. C'est stupide. C'est complètement débile. Allez hop! Emmenez-la, la voisine, je m'en fous, moi je la connaissais pas. Hé, hey, elle va peut-être avoir une promotion! Mais on n'est pas là! Elle est belle, par contre! T'as tué tout ton glamour, la Rania, je suis désolée, mais. C'est comme ça quand on meurt, on clignote, bah je crois, hein. Je crois, ouais. Par contre, la faucheuse, tu peux te barrer et pas utiliser ma télé, s'il te plaît? Voilà, merci, au revoir. Est-ce que c'est un message de mauvais augure que
Elle va mourir dans la, dans sa, dans sa, dans son sommeil, cette pauvre. Navi aime le yaourt. Oh, bichette. C'est donc son âme. Alors, les meufs, allez faire des bébés, là, au lieu de rester devant ma porte. Sauf celles qui ont les yeux marrons. Bon, Rania, elle est belle, mais elle a les yeux marrons. Puis elle pète. Oui, tu vas dans... Mais, hé, hey, pourquoi ils m'ont mis l'urne là? Moi, je m'en cogne le coquillard. Non, mais la blague. Purée. Mais genre... Mais vas-y. Tu peux pas la foutre... Attends, c'est là-bas. Je m'en fous de son urne, moi, la vioque, là. Non, ils l'ont mis chez moi, voilà, c'est cadeau de... Elle était pas là, elle va rien comprendre, elle va l'ouvrir la porte, faire pourquoi il y a quelqu'un qui est mort, là, sur mon... Responsable du grill. Ah, mais... Et voilà la promotion, les enfants. Et en plus, elle était déjà au niveau 2, donc c'est-à-dire qu'on atteint le niveau 3. Et donc, bah, on a validé une étape de son aspiration. Mais c'est merveilleux. Elle a été promue caissière du fast-food. Elle gagne désormais 2 simflouz de plus par heure, soit 20 simflouz de l'heure au total et un bonus de 358 simflouz. Ah bah d'accord, bah, la voisine qui disparaît, c'est super. Tu vas danser. Tu vas danser. Attends. Faire du zapping. Écoutez, voilà, c'est ça. Tu vas écouter du disco moderne. Tu vas danser. Tu peux danser? Non, c'est ça. Elle va danser un petit peu parce qu'elle a besoin, il faut qu'elle aille au niveau 5 de la danse. Ah! Ça goûte. On a déjà des problèmes dans cet appart. Ça fait du bien de déménager dans une plus petite maison, il n'y a pas à dire, c'est plus aéré. Ouais, parce que j'ai pas tout blindé, quoi. Ça, ça la détend, elle aime la musique, elle augmente son sa danse. On est au niveau 2, hein. C'est pas énorme. Magnifique. En bricolage, t'étais à combien, cocotte? Niveau 2. Mais d'où tu... Non, tu vas pas te coucher! Oh, tu vas essayer de réparer là? T'es pas accessible, c'est ça que t'es en train de me dire. Ça, je peux. Bien sûr, comme vous faites partie de mes bons locataires, je vais venir à... Attends, ça fait un jour qu'on est là, ça, ton machin, il fuit déjà, quoi. Tu te fous un peu de ma gueule, quoi. Oh! Oh! Il y a une petite souris! Oh! Attendez, merde! Mais, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu me fais? Mais pourquoi tu me fais ça? Bah, il est... Mais qu'est-ce qu'il a, ce jeu, aujourd'hui? Voilà, ça... Pourquoi je pouvais pas? Il y a une petite souris! Oh, c'est trop mignon! C'est trop mignon! Une petite sousou, une petite riri, une petite souris! Ça me rappelle Pepper. Ah oui, dans les apparts, ouais. Ça fait 24 heures, hein. C'est déjà le bordel dans cette maison. Danse. Tu peux pas les apprivoiser? Attends, cocotte. Tu vas éteindre. Tu vas manger. Si est typo, une souris, si est c'est une rat. C'est une rat. C'est une rate. Toi, t'as vu son sexe de là, quoi. Ah, mais j'allais dire, lui, je peux plus le bouger. En fait, si, ça va. On va le mettre là. Bon, après, tu peux nettoyer ça? Et l'année dernière, je peux pas y aller! Tu peux nettoyer ça? Bon bah maintenant c'est bon, vous êtes parti! Eh bah allez hop, dégagez, c'est bon. Vous pouvez partir, rentrer chez votre mère. Elle a pas le temps de faire ses devoirs, mais la vie, elle a pris le temps de dormir, elle a été au boulot, de dormir, de danser. Elle a pas le temps.
Tu vas dormir, mais je vais enregistrer évidemment parce que bon, ça me ferait un peu chier. Tout ça pour ça. Je m'enregistre à chaque fois qu'elle part dormir. C'est trop choupette. Eh, je te balance ça du 10e étage. Allez-y, dégage la voisine. Bah grave. Mais c'est bon là. Qu'est-ce qu'on s'en fout que la voisine allait crever là, quoi. La blague. Bah oui, t'es tourri, t'es moignon. Bah il paraît que j'ai mes voisines du rez-de-chaussée, elles ont vu des rats se balader chez elles. Parce qu'en fait, comme on a un chantier qui est vraiment juste à côté de notre immeuble, avec les vibrations et tout, les rats ils se taillent. Et comme il y avait eu le confinement, pas de resto, machin ouvert, en fait les rats ils se baladent, ils essayent de trouver à bouffer. Et ils ont réussi à rentrer dans l'immeuble. Et deux appartements du rez-de-chaussée. Moi j'ai dit, de toute façon, si j'arrive à avoir un rat dans la maison, j'ai un chat qui s'appelle Tyrion. Qui va s'en occuper? Parce que comme il saute déjà sur toutes les mouches possibles et imaginables, les araignées, les abeilles, tout, je pense que il s'occuperait du rat, quoi, à mon avis. Hein. Y a pas de raison que je m'en fasse. Après, je dis, si vous voulez, je peux le louer. Qu'est-ce que... Comment? Dérangé par l'odeur, remarque une odeur particulière d'un appartement. Il y a une odeur d'humidité dans cet appartement et cela rend les Sims anxieux. Ah ouais? Je savais pas que c'était possible, ça. Bon, elle va aller en cours, mais elle aura pas... On va prendre la douche. Ouais, fais pas chier. Mais c'est pas grave, c'est une petite souris, elle va pas te bouffer. Couinement suspect. Il y a ici quelque chose qui ressemble étrangement à des bruits de souris. Parce que c'en est une. Ah. Magnifique. Tu vas me faire du yoga, toi. Ça va te détendre. Ouais, j'allais dire, te balade pas à poil quand même, non? Venez pas crever chez nous, vous, hein. On veut pas. On dirait la mienne, elle est pareille, ma chatte. Ah non, mais... Tu vois, Dex, il était pas trop chasseur. Il aimait bien jouer, mais il était pas trop chasseur, ça. C'est par rapport à Tyrion, tu vois, par exemple. Tyrion, lui, c'est un fou dingue avec ça. Là. J'aimerais trop savoir faire du yoga comme elle, hein, moi, je vous le dis. Hein. Allez, tu vas en cours? T'as pas fait tes devoirs, mais on s'en fout. J'aime bien les chaussures qui se rematérialisent. Bon, elle y va en jogging, tranquille. J'aime bien le petit tourné-boulet. C'est faire des amis. On s'en fout. On s'en fiche qu'elle ait pas fait ses devoirs. On n'est pas là pour avoir un A de moyenne. Hein. Oh oui, genre, t'as pas réussi à boutonner la boîte aux lettres. C'était quoi, ça? De toute façon, j'ai pas... On n'a pas de courrier, donc pourquoi ils nous disent ça? Ça va fumer la moquette, hein. Ah, il y a une odeur qui vient des tuyaux. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas souvent joué dans les appartements, hein, donc je préfère vous le dire. C'est ce truc-là dans Splenay, il y a une odeur qui vient du sol. C'est pas de ça la grille, là, non? J'ai entendu les coui-coui de la souris. Coui-coui-coui la souris. Non, mais Lila, elle aime bien les souris. Elle aime bien les animaux. Je les entends, mais je les vois pas. Il est de retour de l'école. Lavande. Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le time. Putain, par contre. Pardon. Oh là, je vais m'en sortir, parce qu'en fait, j'ai ce mur-là qui me casse les burnes. Et alors, elle va devoir aller bosser, donc elle va manger tout de suite. Tu vas regarder la télé, tiens. Tu vas regarder la télé en même temps. Mais mange, cocotte. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça pue. Ouais. Oh là, mais quelle violence! Attends, c'est où? Allez. Non mais c'est une saloperie cet appartement. Hein. Moi, j'ai quand même attendu d'avoir quelque temps à avoir un problème...
D'ailleurs, je me suis jamais plaint mes proprios. Même si mon appartement, le premier appartement sur Paris, c'était une vraie merde. Genre, dès qu'il faisait froid dehors, j'avais les murs qui étaient complètement trempés. C'était un problème d'humidité, mais... Dès qu'il pleuvait ou même qu'il neigeait, enfin c'était infernal, tout était trempé, je pouvais rien mettre sur le mur, ça moisissait à mort. Comme quand j'ai, comme ce que j'ai dans le coin de ma chambre, mais là c'était tout le mur. C'était horrible. Bien sûr. Comme vous faites partie de mes meilleurs colocataires, avec la nourriture gâtée. Ouais. Comme dirait l'autre. Bah écoute, tu peux refaire du yoga, hein, ça va te détendre. Ah, c'était juste ça qu'il fallait faire? Bah, fallait me le dire, hein, je l'aurais fait. Hein. Mais je pense qu'on lui relappait tous les jours, si j'ai bien compris. Allez, zen. Zen. Fallait rester zen, soyons zen. Voilà, j'ai aussi des problèmes d'humidité, c'est relou. Ouais. En fait, je voudrais la prendre en photo quand elle fait une pause, mais pour la miniature, mais... Voilà, genre là, mais bon, on a le Plumbob. De Plumpop, comme diraient celles qui ne savent pas jouer aux Sims. Non, ça fait un peu bizarre comme ça. Je voulais le comme ça, mais j'ai pas été assez vive pour mettre pause. C'est quoi ce jeu qui met pas pause quand j'appuie sur pause? Elle va travailler. On a dépassé de 20 minutes. Oh là là, sexy Heidi. Elle est magnifique. Voilà, voilà. Allez, on va travailler dur. Monsieur, il va fouiller dans nos culottes. Je le sens. Dégage. Allez. Rentre chez toi. La petite souris. J'entends les petites souris. Elle a marché dans la douche. Ce mur. J'ai entendu les petites souris. Ouais, il est mignon ce petit appart, quoi. Tranquille, Emile. Il y a des soucis, hein, mais il est mignon. 80 simflouz, waouh. Allez, tu vas te prendre une douche, là, ça va te faire du bien. Et là, elle fait... Oh là là, mon dieu, une souris. Ouais, prends ta douche. Tu vas faire du yoga. Ouais, remarquez, il est déjà tard, hein. Ouais, si, fais un petit peu de yoga. Allez, fais du yoga. Ça va te détendre. Ah bah. Maintenant, c'est les voisins bruyants. J'ai oublié de faire un pause pour ça. Attends. Arrête. Et ils écoutent du bon métal, hein. Je t'ai demandé d'arrêter depuis 10 minutes. Ouais, voilà. Et elle danse. T'as un petit problème quand même. Voilà, c'est ça que je voulais. Pour la miniature, désolé, hein. Petite miniature. Tac. Parfait. Elle est pas parfaite cette miniature, les enfants? Mais si, mais si, mais si. La meuf vénère. Allez, t'iras aux toilettes. Tu iras dormir. Oui, elle peut pas. Aux toilettes. Elle va manger. Et c'est bientôt l'anniversaire de Lila. Ils écoutent du métal. Ouais, il sacrifie des animaux.
Merci Lovosim, c'est gentil. Putain, mais pourquoi elle fait à bouffer? T'as plein de sandwichs. C'est bon, 1h du matin, c'est la limite pour les voisins. Tu me diras, la connasse du dessus, elle dévoile, elle va plus loin. Hein. Voilà, ça elle mange. Et après, dodo. La nuit sera courte, hein, cocotte, mais bon. Ah. Allez, ça va beaucoup plus vite avec que Lila, parce que, évidemment. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur dans le noir. J'ai peur du comptoir. Non, c'était pas ça. Elle a toujours pas fait ses devoirs, elle a pas le temps. Elle a pas le temps. Oh! Salut les potos du livre et cucu les copains à la compote de la rediff. Oh là 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 là, mais c'est chiant! Alors tu vas refermer le lit. J'ai peur. Salut Marie, comment tu vas? Salut Katnia, comment vous allez? Ma sécurité avant tout. On sauvegarde, mais de ouf, mais là... C'est vraiment un appartement de merde, hein, on est d'accord. Hein. C'est quand même... on a passé 2 jours... Enfin, même pas 24 heures, il y avait déjà des problèmes. Appartement de l'enfer, quoi. Je sais pas si en 20 minutes, t'auras le temps de réparer... Okay. Ah, oh, c'est bon. Ok. Casse les noix. Ça va, hein. Dans la vraie vie, des fois, les Sims, vous faites des trucs pires que ça. Et là, d'un seul coup, je peux pas y aller. Oh là là. Oh là là. Je viens de prendre le train et j'ai laissé monsieur pleurer. Visage qui pleure. Visage qui pleure. C'est ma vie, ça. Attention. Électrocution. Ah ouais. Oui, on va sécher. Va prendre ta douche. Je savais pas que réparer un truc, ça faisait puer autant. Hein. Oh, commence pas, va prendre ta douche. Oh là là. Genre, il y a une petite souris, ça y est, c'est la fin du monde, quoi. C'est quoi ça? Non, c'est rien. Tu vas à l'école. Allez. Elle a pas le temps de réagir. Non, non, y a rien. C'est non, non, bah non, ah bah non. Nous, on est des dieux, hein. On dit même aux Sims de ne pas penser des choses. C'est ça qui est beau. Et donc, elle va de nouveau se faire des amis, hein. Et puis, on va attendre que ça se passe. Voilà, voilà. Donc, Marie, t'as un peu loupé, hein. Mais on a donc déménagé avec Lila. Et c'est son petit appartement qui est une... Qui est très mignon, mais qui est une vraie merde, en vrai. Alors, elle a rencontré Charlotte. Bah, c'est pas avec ça qu'on va faire des gosses, hein, cocotte. Bon, tu vas aller prendre une douche épicée, et tu fais pas d'état d'âme. La souris, elle aura plus peur de toi que toi, tu n'auras peur d'elle. Oh, non, tu vois pas. Ouais, vas-y, viens, prune. Viens à la maison. Non, elle est adolescente. Je pétais un câble à cause du boulot, mais je vais bien. Aïe, 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 qu'est-ce qui s'est passé? Moi, ça va, hein, tranquille. Hein. J'ai avancé, j'ai enregistré deux épisodes du Lord and Lady, donc... je suis plutôt en avance. En tout cas, sur le Lord and Lady. Donc, c'est cool. Y a pas de c'est quoi ça, rien, tu vas aller voir ta sœur. Va évacuer le stress. Bon, la connexion bug de ouf. Ça va me casser les couilles alors que je n'ai pas, je rejoins la team rediff des bises ou agent 21, boule agent 21, boule agent 21, boule agent 21, boule. Des bisous Marie, à bientôt.
Va manger, cocotte. Tu vas. Oh, elle aura pas le temps de bouffer. Quoi, il y a des cafards aussi maintenant? Mais c'est quoi cet appartement de merde là? Merde alors? C'est pas possible, on va y foutre le feu, hein? Ça ira plus vite. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a des souris, des cafards, il y a des fuites, il y a des trucs qui puent. Ça suffit? Salut Taki, comment tu vas? Fallait rester zen, soyons zen. Dans cet appartement de merde, reste zen. On est parti bosser zen, soyons zen. Eh, tu vas discuter avec les collègues, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un de sympa maintenant qu'on a fait la connaissance. De toute façon, on arrive au niveau 3 de la carrière. Charlotte, elle a l'air choupette, hein. Oh, c'est une Drago! Une descendante de la famille Drago qui remonte à l'époque de Pepper, hein. Donc, comme quoi. Oh, par contre, elle fait peur, hein. Je sais pas qui est. Carriero! C'est pour Marie. Ben, désolé, mais elle fait peur, hein. Je sais pas avec quoi il s'est reproduit, mais. Oh, Marc! Marc a l'air beau gosse. Métis avec des yeux peut-être verts. On va l'inviter à la maison. On va voir. On va voir peut-être que. Oh, c'est sympa, Prune. C'est intéressant. Eh, on dirait que tu t'es fait refaire les seins, hein, moi, ils sont énormes. À ta place, j'aurais fait faire plutôt le menton, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Je vais pas m'étaler, je suis épuisée, je me languis des vacances demain. Ah bah oui, alors courage, il te reste qu'une journée, après tu vas être tranquille. Mes nouveaux packs de jeux. Ah punaise! Ah non, c'est pas cool ça, Katnia! Fort bien, Taki, tu viens de Belgique ou pas? Tu préfères quoi entre vampire et vie citadine? Bah, ça n'a rien à voir. Vie citadine. Alors, cliente indécise, quand Lila se met à la caisse, une file d'attente se forme déjà à l'extérieur. Pourtant, on dirait que la cliente devant elle n'a rien remarqué. Elle étudie le menu, grimace et réfléchit. La file est de plus en plus longue et de plus en plus de mauvaise humeur. Lila doit-elle lui demander de se mettre sur le côté pour réfléchir à sa commande? Ou attendre qu'elle se décide? Qu'est-ce qu'on fait? Et Rocky, je t'ai déjà dit bonjour tout à l'heure! Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend la commande ou on lui demande de se mettre sur le côté? Sur le côté. Deux sur le côté. Trois sur le côté. C'est pas sur côté, c'est sur le côté. Allez, full sur le côté. Bien joué! Quand Lilo lui montre la file d'attente derrière elle, la cliente accepte de laisser passer quelqu'un devant elle. Mieux encore, le nouveau responsable de Lila voit la scène et félicite pour son comportement proactif. Bravo! En vrai, je crois que ça m'est déjà arrivé que j'arrivais pas à me décider, moi, et je disais, non, mais allez-y, tant que moi je choisisse mon truc, tu vois, parce que. Comme je vais rarement dans les fast-food, oui. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Hein. C'est, en plus, c'est vrai. Eh ben, je ne. Je, des fois, je sais plus. Je sais pas ce que j'ai envie, en fait. Donc ça dépend. C'est pas grave, Rocky. Juste que je t'ai déjà vu tout à l'heure. Je ne me prononce pas, Céline. Ouais, bah voilà. C'était un full. Désolée, Pruna. Nous, on travaille. Elle travaille pas parce que. On l'avait pas fait faire. Elle est contente. Réflexion proactive. C'est ça, l'être proactive. Non, parce que moi, dans mon travail, on m'a demandé de l'être. Et je savais pas quoi c'était. Bah, je suis active et je suis professionnelle, donc c'est bon, non? En fait, c'est pas ça. C'est anticiper les possibles problèmes. Ouais, mais des fois, tu peux pas. Enfin, je. Elle est partie. Et gagné 80 simflouz. Mon dieu, mais par contre, elle est d'une humeur massacrante. Est-ce que tu peux danser? Ça te fera du bien. Des cafards, des rats, tout. C'est la vie. Ah oui! Tu peux te plaindre au propriétaire là pour les rats? Il y a encore des rats partout, monsieur. J'en ai marre. Tous les jours on l'appelle, hein, vous avez remarqué?
Par contre, les cafards, je ne sais pas. Le rat qui lui passe entre les jambes. Ah, ça, c'est bon, ça. La petite souris entre les pieds. Allez, moi, je fais un petit screen parce que c'était rigolo. Monsieur Mignon, moi, j'aime bien voir les petits rats se balader. Tu sais, ils ont plus peur de nous que nous, on a peur d'eux, hein, donc... Ah, niveau 3 de la danse. Mais il a rien fait. On est d'accord qu'il a rien fait. Mais casse-toi! Il va faire du yoga chez moi, lui, mais dégage! Ça va pas bien, non? Allez, t'arrêtes de danser. On va éteindre. Et tu vas ouvrir le lit. J'ai peur. Oh, attendez. Merci Katnia, c'est gentil. Ça fait presque 4 ans que j'ai pas été dans un fast-food, ça me manque pas. C'est vrai, 4 ans, la vache. Bah le dernier, c'était avec Marie. On a été au Burger King à Porte Dorée, pour ceux qui connaissent, qui sont de Paris, qui connaissent à peu près. Oh, c'est Jerry, il nous faut un tome. Eh, j'avoue, les chats dans les Sims 4, ils attrapent les rats ou pas? Il va tuer les rats si tu préviens. Non, oui, je sais, mais bon. Ils sont encore là, hein, les rats. Bah, elle est stressée. Ah, oh, mais il y a toujours des trucs devant. Allez, vas-y, va dormir. Elle est jamais contente, quoi. Il y a toujours un... Et en fait, il faut rien coller à cet appartement. Il faut rien coller au mur, quoi. Il y a jamais rien qui... Non, allez, c'est bon. Va dormir, Lila. J'ai pas mis éclairage automatique, tous les éclairages. Pourquoi ça reste allumé chez elle? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Depuis que t'es partie en Corée, pourquoi t'as été dégoûtée? Alors j'ai répondu déjà le vos Sims. J'ai dit quand même vie citadine. La pauvre. Quel appart de merde. C'est vous qui l'avez choisi en plus. Hein. Vous êtes... Franchement, on... franchement, je devrais tous vous ban. Je vais noter tous les noms hein, qui m'ont dit le dernier. Hein. Quartier des Arts. Tous ban. Ah non, c'est bon. Allez. Tu vas faire un petit pipi, tu vas manger. Ça va aller mieux. La pauvre, elle a même plus le temps de faire des devoirs, quoi. L'enfer. Ohé, tu te calmes, Lila. Ah, elles sont là, les cafards. Mais non, mais... L'appartement de merde. Oh la vache, on a beaucoup mangé McDo, je pense que ça a été trop... Ah oui, d'accord, ouais, je comprends. Je comprends quand c'est trop, au bout d'un moment, tu peux plus, quoi. Tous les jours, on appelle ce proprio. Ah bah franchement, mais moi qu'on déménage, hein, la vache. L'enfer. Et alors, il fait quelque chose ou c'est parce qu'il y a quelque chose devant donc ça va pas? Non, parce que s'il faut rien coller au mur, à un moment donné, ça va me gaver en fait. Avec le rat qui se balade. Tranquille et mille, quoi. Le rat, il s'est dit, oh non, mais moi, tout va bien. Attendez, je vais changer... Je vais bouger des trucs parce que j'ai l'impression que ça va me casser les noix. On peut accéder à rien dans cet appartement. C'est... Voilà, on va avoir accès à ça. Si c'est bon, la douche, bon bah... On bougera pas pour l'instant. Ah là, il a accès. Oh, en plus j'aime pas quand on tue des bestioles. Je suis désolée, hein, mais j'aime pas ça. Oui, je sais que t'es Mesta. Salut, comment tu vas? C'est pas de souci, le Sims. J'ai rien répondu moi, donc je suis pas banni. Ben non, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, c'est seulement ceux qui auront répondu que je. C'est la meuf qui vraiment, c'est la dictature dans son. Mais il va s'occuper des cafards ou comment ça se passe? Ah ben non, parce qu'il y a le frigo. Ah, par contre, j'ai mis la poubelle un peu trop dans le...
Chercher débris et morceaux? Ah, je viens de découvrir un truc. Ah, c'est bien décoré à l'école. Bon, bah, fais-toi des amis, hein. On a dit qu'on allait peut-être inviter lui, qui s'appelle Marc en ciel. Pareil, c'est une famille de quelqu'un qui l'a mis sur la galerie, hein. Je sais que c'est les. Des noms spéciaux comme ça peut être que vous qui l'avez créé. Oh, je connais à peine Perle. Et Minnie. Bon, bah, si tu fais rien, tu te casses. Ah, professeur stressé. Le professeur doit sortir un moment pour prendre son médicament et demande donc aux élèves de rester calmes et de faire leur exercice de lecture pendant son absence. Bah oui. Tu lis? Oh, c'est pas grave. Oh, du coup, elle est tendue pour ça, moi. Mais Marc, il a l'air pas trop dégueulasse, donc ça peut être intéressant. Donc, monsieur, vous cassez, en fait. Voilà. Hein? Si vous faites rien, vous vous barrez. Et les voisins, ils passent leur temps à être de... Ils veulent... Et absolument, tous les jours, ils vont sur leur boîte aux lettres. D'ailleurs, rencontrer Christophe, d'accord. Non, bah, tu iras pas parce que c'est pas intéressant. Là, 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 ça y est, elle est rentrée. Tu vas me prendre une douche. Ah, c'est déjà la fin de semaine. On a commencé, c'était un lundi, on est déjà vendredi. Hein. Ah, il y a encore les souris. Qu'est-ce que t'as besoin de t'asseoir pour aller prendre une douche? La pauvre! Allez! Allez, tu dois aller bosser et tout là, tu nous fais perdre du temps. Merci Estelle pour ton follow et bienvenue à toi! Ça va bien, Témestin? Yes, Katnia, je suis contente pour toi. C'est avec écologie. Salut Ailey, comment ça va? 50 sur le live, bah c'est cool! N'hésitez pas à follow, c'est gratuit. Et je fais énormément de Sims 4 et on fait tous les jeudis, c'est le Notsoberry. Rediffusion sur YouTube. Du coup, tout est tout sur YouTube. Si vous voulez suivre le Notsoberry, tout est sur YouTube. Oh, arrête avec tes rats. Sinon, eh bien, on a un Legacy aussi qu'on a commencé sur Twitch et qui est uniquement sur Twitch. Donc, en fait, là, par contre, on a un petit peu avancé et vous pouvez pas revoir le début, mais c'est pas grave. Vous pouvez quand même venir vous amuser avec nous, sachant que vous avez le power. Mais elle va refaire encore à bouffer? Quel gâchis. Quel appart de merde. Mais le proprio, il a rien foutu, quoi. Il reste encore les cafards et tout. Oh, putain, cette doigt de chat. Oh, j'ai mis le... Elle doit déjà aller bosser. Mais oui, mais elle a mis 10 ans à se prendre sa douche, là aussi. Allez, tu vas discuter avec les collègues. Je vous rappelle qu'on doit chercher l'homme... L'homme. Non, 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 on travaille, on n'a pas le temps. Et que cet appart, mignon... C'est vraiment pourri, y a rien qui va. Chaque jour, il y a une nouvelle merde qui arrive. Maintenant, j'ai des rats, des cafards. On a eu un problème de fuite, un problème d'électricité. Enfin, bah, c'est la merde, quoi. C'est la merde! Un Simsol, le temps passe plus vite. Ah, mais grave! Bah, là, on a passé une semaine. C'était. D'habitude, on fait 3 jours, un truc comme ça. Bah, voilà, elle arrive déjà, on va fêter son anniversaire et. On n'a toujours pas un homme avec elle. Zut! Zut! Un peu fatiguée, je me suis couchée à 4h. Ah bah moi 5h20. Donc je comprends, t'inquiète. Enfin bon, j'ai pas dû me lever très tôt non plus, vu que je travaille pas, mais ça va. Salut Yukimi! Bah écoute, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas, il y a donc une chaîne YouTube. Si vous voulez aller voir ce qu'il y a, il y a des let's play, des petites vidéos aussi actu, tout ça. Je fais mon auto-promo, on en profite. Hein. Ah, les blasés. Et après le Notsoberry, on continue le live sur une construction. Justement pour le Legacy. Donc si vous voulez rester, il n'y a pas de souci. Allez, elle a gagné 80 Simflouz. 80 Simflouz. Tu peux me finir ça, s'il te plaît, du coup? Les œufs brouillés avec du bacon. Oh là. Oh, c'est difficile. Hein. Et franchement, j'ai envie de dire. Vivement qu'on déménage.
Allez! Oh putain, mais les cafards! Mais il y en a partout sur les murs! Mais c'est à cause du frigo, là? Il faut que j'oublie... J'en ai marre! Mais en fait, on a droit de rien mettre dans cet appartement-là. Attendez. Moi, j'ai fait un truc sympa et tout, puis au final... tu mets quelque chose contre un mur, bah c'est pas possible. Regardez-moi, c'est les cafards, là. Écoutez, je vais mettre le truc là. On verra bien si on y arrive à les virer, les cafards. Si c'est vraiment à cause du frigo. Genre, je mets un truc, ça y est, quoi. Tu vas aller taper dans les cafards. Oh, c'est dégueulasse. Quand même. Ah, c'est les voisins. Je vais dire, c'est quoi ça encore? Vas-y, va t'occuper des cafards. S'il te plaît. C'est bon? Taper dans un ballon, ouais, c'est ça. Bon, les cafards, c'est réglé. Mais tape dans ton ballon! Oh, la souris est encore là. Non, mais c'est un vrai. Non, c'est un... C'est pas possible, c'est pas possible ça. C'est pas possible ça, mes amis. Allez, entraîne-toi à jongler comme faisait ta maman. Oula! Voilà. Oh, ça a diverti bien, hein! Ça l'a diverti bien. Et merci Yukimi pour ton follow, bienvenue à toi! Ah, lever à 9h, ah ouais, ça a été chaud, hein. Je connais, hein, t'inquiète. Genre les petites nuits comme ça, je connais. Moi, je pouvais ne pas me lever si je voulais, mais quand même. J'ai quand même été productive, j'ai enregistré 2 épisodes hein, du Lord and Lady, hein, je l'ai déjà dit, mais. Je suis en avance, du coup, c'est cool. Ah, 32 fois! GG. Je crois que ta mère avait fait mieux pour être élue, hein, parce qu'elle a été élue à cause du ballon, hein. Mini, elle avait perdu, hein, l'épreuve du ballon. Voilà, ça change un petit peu. Là, ça lui a remonté à fond. Ça fait, il fait bosser son fitness. Parce que là, on n'a pas eu le temps de beaucoup avancer, hein. Bon, ça ira mieux quand elle sera adulte. Les voisins, ils ont arrêté leur bruit. Tu pourras prendre une douche. Et encore des cafards? Mais... C'est pas possible. Oh, et puis il y a une souris. Eh, dis donc, mais c'est... L'enfer! Si vous avez un appart pourri, moi je trouve que j'ai un appart pourri, mais à ce point, non. Hein, j'ai pas des cafards, j'ai pas de souris. J'ai pas de problème d'électricité, j'ai pas de problème de fuite. Donc j'ai envie de dire, ça va. Au final, je vais pas me plaindre. Ah, ça devait être déjà son anniversaire. Ah, mais ça... C'est bon, ils sont crevés ou quoi, ces sales saloperies, là? Allez, tu vas aller dormir. Parce que là, on n'a pas le temps. Mais ça va, on est samedi. On aura le temps d'avancer un peu dans ces compétitions. Dans ces compétences. Et comme à chaque fois qu'elle va dormir, vu qu'elle a le lit escamotable, j'enregistre avant parce que j'ai peur qu'elle crève. Je n'ai jamais réussi à tuer qui que ce soit, mais dans le lit escamotable. Mais quand même, je préfère faire attention. L'accueil en entreprise. Oh, et il est. On aurait peut-être pu se croiser. Ça dépend pour qui. Après, si tu es sur Paris, évidemment. Parce que moi, mon ancienne boîte, elle faisait appel à une entreprise autre, tu sais, pour engager des personnes à l'accueil. Donc il y a peut-être moyen que... Tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça encore? À empirer les choses, n'arrive pas à résoudre les problèmes de l'appartement. Essayer de régler un problème de l'appartement malgré... Essayer échouer, ce n'est pas glorieux. Oh purée! C'est difficile ta vie, Lila, là. C'est... Eh, hey, tu te plains aux abonnés du chat, là, c'est eux que... Mais arrête avec ta souris, là, ça suffit. Allez, on casse les pieds. Va te laver, tu pues. Bon sang. Oh. Arrête. C'est pas vrai. Finis ta douche. Après, tu vas dormir. Ça suffit. Casse les pieds, hein. Oui, Yukimi, j'ai absolument tous les packs.
Qu'est-ce que j'en pense? Pour moi, il est super bien travaillé. Il est très complet. Il y a beaucoup de choses très sympas. Bon, il y a des fringues que j'aime pas trop, mais bon, ça, c'est encore autre chose, hein. Mais il y a vraiment beaucoup de boulot et le fait qu'il y ait un pack dans tous les quartiers, dans toutes les villes. Bon, des fois, ça peut être relou pour certains challenges, mais en vrai, je le trouve vraiment bien foutu, quoi. Vraiment. Vilain abonné. Exactement! C'est pour ça qu'ils vont être bannis, là. Ça fait qu'un an que je fais ça avant j'étais à l'aéroport pendant les 7 ans. Ah oui, d'accord, donc non. Vu que ça fait un moment que j'arrive. Arrête! Qu'est-ce qu'elle a? Pff, on a encore les cafards. Non, mais sérieusement? Je suis pas sûre qu'on reste longtemps dans cet appart. Hein. On s'en fout, hein, maintenant. J'ai... On a déménagé une fois, on a vécu une semaine. La semaine prochaine, on redéménage. Hein. C'est pas possible. J'en ai marre! Appartement de merde, là! C'est pas possible, sérieux? J'ai jamais vu un truc pareil. Et elle repue! Sachant qu'elle veut pas se laver parce qu'à chaque fois, il y a une souris. Ça me gave un petit peu, hein. Bon, une petite souris dans les pieds, là, que c'est tout mouillé, ça passe dans, sous la douche. C'est chelou comme sensation, mais bon, ça passe. Ah, travailler à l'aéroport, t'aimerais bien, Tiana? Après, t'as plein de taf, mais tu faisais quoi? Tu faisais de l'accueil, tu donnais les billets aux gens et tout? Ah ouais, les passagers, bah ouais, je peux te comprendre tout à fait. Eh, hey, mais alors, elle se sera lavée d'un coup? Ah oui, ah là là, mon dieu. Tu vas manger? Parce que là, j'en ai... J'ai limite envie de partir, là, tu vois. J'ai envie de bouger de l'appartement, là. Pour que tu vois autre chose un petit peu et que j'en ai marre de voir des cafards, des souris et des problèmes de tout et de tous les genres, là. Ah oui, c'est l'automne, on va bientôt se taper l'hiver et tout. Alors quoi? Il y a des gens, on s'en fout? Regarde, tu vas venir là. Moi, je pense que tu vas venir discuter avec les gens ici. Quand t'auras fini de manger. Ça, c'est la voisine, en plus. Alors, est-ce qu'il y a des choses un petit peu intéressantes? Elle est jolie, elle. C'est pas celle qu'on a vue dans la Legacy aussi, qu'on a hésité avec Jeannette pour Antoine? Il y a de grandes chances. Patrick Almorin. Ah, ça... Ouais, je suis pas convaincue, hein. Toi, je te préfère déjà Thierry Chevalier. Ouais, mais je crois que... Non. Il a les yeux marrons. C'est mort. Tu peux venir te présenter? Elle est venue avec son assiette. Prends l'air, ça te fait du bien, va, de pas être enfermé dans cet appart maudit. Oh, des petites toiles! Est-ce qu'on n'achèterait pas un truc, là? Genre les cochons, c'est rigolo. C'est elle? Sima Anand, qui a un petit problème de capillaire, mais... Elle est toujours avec son assiette. Ouais, on a acheté une toile. Wouh. Tiens, tiens, tiens. Tiens, 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 tiens. Ça, c'est le Sims qui a fait Marie. Ta Sims fait quoi comme job? Eh ben, elle travaille en fast-food. Parce que c'est une adolescente encore. Mais elle va devenir jeune adulte. Bientôt. D'ailleurs, c'est son anniversaire, donc on va pouvoir fêter ça, mais alors, dans cet appartement de merde, j'avoue que j'ai un peu peur. Est-ce que tu peux appeler... T'as fait connaissance avec autant de monde? Ah ouais, ça fait peur, quand même. Attends. Oh non, le beau mec, là. Il est plus dans ses contacts. J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Ah non! Le mec!
métis qui avait l'air beau. Et Vincenzo Alvarez. Je suis deg. Oh non. Enregistrement et embarquement. Ah ouais, pas mal. Pas de soucis, Camille, des bisous, à bientôt. Quoi? Bonjour ma chérie, c'est maman. Oh, quand vas-tu venir nous voir? J'ai donné tout mon amour et fait beaucoup d'efforts pour t'élever. Oh, c'est trop chou, Mimi! Tu pourrais au moins venir de temps en temps et dire à ta chère maman que tu l'aimes, non? Je vais venir te voir demain et si tu venais maintenant, je ne peux pas, mais c'était sympa de parler avec toi. Oh l'enfer! Mais viens, maman! De toute façon, eh bien, bien sûr, si tu n'as rien prévu, je passerai. Bah oui, c'est l'anniversaire. Ça, c'est ton taron, par contre. C'est l'anniversaire, elle va inviter sa famille, quand même. Allez, rentre chez toi, va. À mon avis, les souris se sont multipliées. On va préparer un gâteau d'anniversaire. Maman. Je sais pas qui. Ouais. Ah non, elle chante. Je veux dire, elle a un petit problème. Alors, tu vas cuisiner. On va faire un gâteau au chocolat. Pourquoi tu vois, t'es toute resplendissante, nuage. Encore. Bon, arrêtez de me faire perdre du temps là. Voilà, merci. Tu vas y faire ton gâtal et puis après tu appelles pour un événement social. Son anniversaire. C'était Marc-en-ciel. Oui, c'est ça. Merci, Rino. Merci beaucoup. Marc le métis, bravo. Et cucu tout le monde, comment allez-vous? Et salut, RL2004, comment tu vas? Les passagers sont totalement insupportables, je te crois volontiers. Vraiment, je te crois... Bah d'accord, ma mère, elle veut venir, mais en fait, elle veut pas venir. Oh, je veux organiser une fête d'anniversaire. Le moindre problème qu'ils ont, c'est de ta faute intérieure. Non, mais ça, je comprends pas. Je comprends pas les gens qui... Vraiment, en général, quand il y a un truc qui va pas et que je dis à la personne, excusez-moi, je suis énervée, c'est pas contre vous, vous êtes pas responsable. Mais je dis, c'est la situation qui m'énerve, tu vois. Moi, je dis toujours ça, parce que c'est quoi, c'est... Pourquoi s'en prendre aux gens qui sont pas responsables, quoi? C'est complètement débile. Alors, perle de nuage, Yann. Bah écoute, Marina, Étienne, Basile, allez. Et Charlotte aussi, Drago. On va peut-être faire un bébé avec Charlotte, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Si elle est belle. Résidence Rainbow. On est là, c'est ça. Ah, c'est vrai qu'elle a la robe SM de Monde Magique. On lui a mis la robe SM. J'ai volé que 4 fois et j'ai pas eu de problème. Moi j'en ai eu. J'ai eu des retards avec ma mère. Limite c'était tout le temps quoi. Dès qu'on revenait de vacances avec ma mère, on savait que le vol du retour allait avoir des problèmes. L'année dernière, revenant de Corse, ça a été le pire. On a attendu 2 heures à l'aéroport. De toute façon, quand est-ce que c'était le pire? Oh! Perle, elle est enceinte! Est-ce que ça nous est déjà arrivé en Grèce? En revenant de Grèce, on a eu un problème. En revenant de Corse, on a eu un problème. En revenant de Madrid, on a eu un problème. L'enfer. Pourquoi c'est toujours l'enfer? Ça va, Perlouse? Alors, t'es en cloque? À ton âge, franchement? Qu'est-ce que... Quoi? Ouais. Tu peux nettoyer ça? Ah oui, c'est vrai qu'elle fait le gâtal, je lui disais pourquoi elle bouge pas. Ah là là. Marina est là. Minnie aussi. Et on a papa. Ah, lavande. Et elle. Oh, elle a des yeux bleus, hein. Bon, elle a un double anneau, mais... Elle est mignonne, hein. Excusez, je vais convoquer Marc. Ah ouais, hein.
Moi, je triche. Hein. Triche pour les foyers. Invoquer un Sims. Alors, c'était marque en ciel. Lister tous les Sims. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. On va... Ah, je suis dégoûtée, quoi. On n'a pas le temps de choper, là. C'est tellement la galère avec elle et son appart et tout que j'ai pas le temps de l'inviter, ce gamin. Enfin, ce gamin. Je ne sais pas. Ça a faim, loulou ? Petit chat, il a faim. Il y a un mec qui s'appelle Pokémon. C'est logique. Elsa, arc-en-ciel. Il y a des anciels et des arc-en-ciel. C'est le, c'est ça, c'est vous qui est, hein. David Tyrion. Ouais, mais je crois qu'il est pas beau, hein. De, je vois, hein, il a pas l'air très 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 beau gosse. Donc pour l'instant, je ne l'invite pas. David Shirley. Ken Adams. Ça me pensait à Kev Adams. Tortue, Snoop, Citrouille. Donc j'ai compris. On va par nom, voilà. Ok, il va venir. C'est bon. Attends, ils vont taper dans le gâteau. Ils vont taper dans le gâteau. Dans le gâteau. Ah non, c'était parce qu'elle devait discuter avec elle. Mets les bougies, je serais rassurée, tu sais, parce que là, je vais flipper ma... Ah, il est là. Ah non, c'est le cousin qui est là. Elle s'est déjà transformée. Ah non, elle a pas encore vieilli. Ça, c'est Yann, le cousin. Après, je suis en appartement, donc des fois, ça marche pas. Hein. Et là, y a pas de problème. Là, y a pas de souris, y a rien. Et pourquoi y a un... Je sais pas, mais venez. Ah, il est là. Venez à l'intérieur, peut-être, non? Enfin, pourquoi vous vous mettez là? Bonjour. Bonjour, jeune homme. Oh, il a les yeux verts. Oh. Bon, la forme du nez. Oh non, pas mal. Ah non, pas mal du tout, là. Oufoufoufou. Oh, mais dites donc, il n'y a pas écrit Bécasse ici. Moi, j'aime bien. Coucou Elisa, comment tu vas? C'est quoi tes ou ton contenu préféré? Tu parles dans les Sims ou... Enfin, j'imagine, mais... Il est un peu habillé comme un kéké, hein, mais... Mais pourquoi ils viennent pas, eux, là? Mais venez! Tu peux pas les appeler. Va chercher Adonis, là. Avec tout le monde, parce que ça m'agace. Ça y est, ils arrivent. Voilà. Racontez des blagues. Allez, on va raconter des blagues. Nous, on est comme ça. Alors, mon petit Marc, on va te raconter une super blague de la mort. Tu vas être MDR, PTDR, même j'ai envie de dire XPTDR. Saison, oui. Il est mignon, Basile, le Sims de Marie. Il est roux surtout. Je pense qu'elle elle a joué sur la corde sensible. Elle est où la mienne là? Je suis perdue. Ah. Venez discuter ici. Ah là là, c'est plus possible. T'as raconté ta blague? Il est content. Qui c'est ça? Ah, c'était la voisine. Si les voisins ils se mettent à se reproduire, on est mal barré un peu. Hein. T'as raconté une blague à ta maman? Sur le bon vieux temps. Je pense pas que ça marche. Ce bug, ça me fait. Et à ta sœur. Elle est stressée, Lavande, hein. Ouais, pourquoi toi t'as un appartement et pas moi? Ouais, c'est dégueulasse. What is or what is happen or say?
Les beaux gosses, hein, Marc. J'arrive tard, mais bon, j'ai mes résultats officiels de ma L3 et je suis à journée. Je m'en doutais, les parents aussi. À journée, c'est quoi? C'est pas bon? Je connais pas. Ouais, bah, dans les Sims, le pack que je préfère, c'est saison. En fait, je le trouve complètement indispensable. Donc voilà. Ouais, on doit boire. Bah, écoutez, la chaîne Ify, bah... Je pense qu'on va, on va perdre ce... Allez, tu vas souffler tes bougies. Au moins, on aura au moins fait réussi ça. Mais où est-ce qu'elle est? Offrir un cadeau. Mais à qui? Mais pourquoi tu t'en vas? Qui c'est qui fait faux bon à la fête, là? C'est Marc. Il a senti le traquenard. Il s'est dit... Ouais, mais attends, elle me fait venir parce qu'elle veut se jacopule avec moi. On prétend pas. Bon, le profil à revoir, mais... C'est qui celui-là? Alexandre Charme. Charme? Non. Fais-le venir à la baraque. Et il est revenu avant elle, tu sais. Truc logique à fond. Allez! Elle va devenir une jeune adulte. J'espère que vous êtes prêts. Ouais, je chante bien. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Lila. Pourquoi on a reçu des sous? Et happy birthday to you. Alors, elle a 20 ans, ça y est. Et le dernier trait de la génération prune a ajouté réticent à s'engager. Mais c'est super. Père. Oh my god. Quoique maintenant on pourrait mettre amoureuse des chiens, frigane, amoureuse des chats, parce que bon, ça a évolué quand même. Paranoïaque. Parce que là, il n'y a pas de vieux vraiment de prune, hein, on est d'accord. Allez, tout le monde peut venir bouffer. Ah, on va recevoir des cadales, c'est bien. Marc s'en va, zut. Elle va aller chercher l'autre. Bon, elle est malade. Bon, de toute façon, il n'y a jamais rien qui va. Bon, désolé, on t'a fait venir, mais finalement, on s'est dit qu'on va peut-être prendre un mec, hein, au final. Ouais. D'ailleurs, dans la galerie, moi, j'ai vu des Sims avec des yeux marrons. Hein. Je vous ai dit que si je voyais des yeux marrons, ils n'étaient pas pris. Hein. Voilà. Ah, tu dois redoubler? Ah, merde. Ouais, non, mais c'est pour ça, Elisa, te culpabilise pas. Si t'as eu des soucis et tout, c'est normal. Hein. Tu réussiras mieux l'année prochaine et puis c'est tout, hein. Merci pour la lila. La lila, la lila. Je te veux si tu veux de moi. Yadabou. Vas-y, mets tes sales... Oh là là, qu'est-ce qu'il copule avec le truc, lui? Bon, il a pas voulu venir, le mec, là, le roux, là. Il est encore là, hein. Tu lui as parlé? Il fallait faire une présentation polie. Ah oui, du coup, j'ai pas vu. Oh, elle...
elle est pas responsable du coup. J'ai pas le temps de travailler. C'est devoir, donc elle va pas être responsable. Si, c'est bon. Elle est médiatrice responsable et bien élevée. Oh, c'est bien ça. Ah. Je crois qu'ils se bastonnent. Sauf que monsieur, si vous frappez votre femme, ou même madame si elle frappe son homme, c'est la police qu'on appelle. Hein. Allez, déglingos. Voilà. Ça, on te connaît, toi, maintenant. Des connaissances. Un petit roux. Je ne sais pas. Ouais, je comprends. Je sens qu'en rediff, il y aura du lourd à rattraper. Oh, il est jaloux. Super. Ah, il a une voix de fille. Bon, allez, rentre chez toi, parce que t'as pas mal de taf à faire. Qui êtes-vous? Vous. Raphaël Farrar. T'as un petit problème de sourcil, mais t'as des beaux yeux verts. Oh là là, mais moi je veux pas savoir qui choisir. Non, vas-y, va lui dire bonjour à lui. D'un seul coup, il y a plein de mecs, hein. C'est quoi cette histoire là, cette arnaque? Ah oui, ouais, il y a un problème de sourcil. T'es quoi toi? T'es un wesh? Brr. Ouais, mais t'as les yeux marrons. Donc c'est mort. Allez, vas-y, c'est bon, on rentre à la maison. En plus, avec sa robe. Qui dit « J'aime le bondage, attache-moi au lit, s'il te plaît. » Il est colère, le petit rond. Ah, mais je vous jure. Ah, mais il est encore là? Vas-y, nettoie tout, là, parce que c'est le bordel. Ah, la pauvre. Il y a encore des souris. Elle va pas vouloir se laver, hein. Mais va aux toilettes! Ah la vache! Non, prends une douche, je suis débile, elle a pas besoin. Si elle a besoin de manger. Va manger un truc. Bon, il n'y a plus de cafards, c'est déjà ça. Non, pas un repas rapide, on a plein de bouffe là. Tu casses les pieds. Mange ça, jambon fromage là, c'est super. Allez! Allez! Non mais mange! Oh, va me rendre chèvre. En plus j'adore le fromage. Ah oui d'accord, le truc il a disparu, tu sais pas pourquoi. Va manger. Demain est un autre jour, Lila. J'aime le bondage. Mais attends, t'as vu la tenue qu'elle a quand même? Je comprends pourquoi il est. Tu peux passer sur les lives du coup, parce que c'est vrai que moi, j'ai une copine, elle faisait de l'accueil du coup à mon ancien taf, et effectivement, elle passait son temps sur internet quoi. Bah après, je dis pas, hein, t'as le droit, tu fais ce que tu veux, parce que c'est vrai que des fois, il se passe pas grand chose. Donc c'est agréable. Faut en profiter s'il y a personne. Bon, soirée d'anniversaire un peu chaotique hein, quand même, cocotte. Hein. T'as pas eu le temps de faire grand chose là. Bon, allez. Au dodo pour Lila. On n'a pas encore trouvé l'amoureux, son amoureux, diverses possibilités. J'aime bien le petit Marc, quand même, beaucoup même. J'aime beaucoup le petit Marc, et puis comme ça, ça fera encore d'autres petits métis, ça pourrait être intéressant. Hein. Tu as mis les canapés, t'as pas peur du danger. Si, si, Elisa, c'est pour ça que dès qu'elle va se coucher, j'enregistre, parce qu'au cas où, il se passerait un truc. Mais là, il s'est rien passé, le lit n'a pas déconné une seule fois, donc je suis... joie. Alors, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter YouTube pour cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour commencer. Bon, s'il y a un Sims mal qui vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je verrai s'il y a une envie sur un ou sur un autre. Et puis, voilà, elle pourra commencer sa nouvelle carrière et on pourra essayer de travailler
les compétences parce que là, on n'a pas eu le temps. C'était la galère avec les rats, les machins. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!